Et voilà, magnifique exposition consacrée à ce festival Elixir, une épopée, une aventure assez incroyable. Et puis on a la chance d'avoir parmi nous Olivier Pollard, qui est un des deux, enfin auteur du livre en tout cas Elixir, et tu as participé aussi à l'élaboration de cette expo. Salut Olivier, comment ça va ? Salut, bonjour. Et puis nous avons la chance d'avoir Philippe Manœuf, qui est parrain de l'exposition. Et oui. Voilà, grand ami de Gérard Pont, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui lui est un des organisateurs du festival. Et puis mémoire évidemment du rock. Hein, ton parcours, on ne va pas le retracer, mais rédac chef, journaliste, animateur radio, j'en passe et des meilleurs. Auteur aussi, on parlera bouquin avec vous. Parce qu'il y a ce livre, Elixir, l'histoire du premier grand festival français. Un succès fou, parce qu'il y a eu une deuxième édition augmentée, hein, c'est ça Olivier, avec ça plein de photos en plus. Oui, il y a une deuxième édition chez un autre éditeur que Cobrez, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est Guy Messina Édition. Guy Messina Édition, donc. Guy Messina, oui. Et en plus, il y a un CD maintenant, dans la deuxième édition, il y a un CD avec les meilleurs moments musicaux du festival, quand même. C'est ça qui est incroyable, parce que vous enregistriez tout, souvent sans le dire aux artistes. Et donc, il y a quand même... c'est ça qui est magnifique. Oh, moi, je me rappelle deux petites compilations vinyles sorties à très, très peu d'exemplaires il y a quelques années autour d'Elixir. Gérard a fait, ouais. tu t'en souviens. Alors, c'est bien qu'on vous ait tous les deux là, parce que en même temps, vous allez en profiter pour dédicacer les bouquins. Il me semble même que c'était Rock and Folk qui était partenaire. Ouais. Je ne sais pas si encore, Philippe, vous étiez à la manœuvre. Oui, j'étais à Rock and Folk de 73 à 84. Et après, je suis devenu rédacteur en chef en 93 jusqu'à 2000 et quelques. Voilà, je ne compte plus après. Donc. Moi, je voulais savoir, retracer ces grands moments de l'histoire du rock, que ce soit l'histoire d'un festival, des parcours de groupe, des parcours de vie aussi, quand on vient de cet univers-là. En quoi c'est important? Comment ça intéresse les gens? Est-ce qu'on touche les jeunes générations? Ah ben, le festival, c'est le grand moment de réunion des troupes du Mordor, quoi. Vous voyez, on va montrer notre... Moi, le premier festival où j'ai été, c'était Auvers-sur-Oise. Je suis arrivé, on était 8000. Mais moi, j'écoutais ces disques-là dans ma chambre avec mon copain. On était deux. Et d'un seul coup, on arrive au festival, on est 8000. Mais on bombait le torse. On se disait, mais c'est dingue, ils vont se rendre compte à quel point cette musique, elle est importante pour nous. Mais tous les copains, tous les gens de notre âge, ils voulaient la même chose, quoi. Et donc, souvent, les festivals ont été un détonateur. La plupart des gens en France ont découvert le rock au cinéma quand ils sont allés voir Woodstock. Ils sont restés en se disant mais c'est pas possible. Tous les artistes de Woodstock sont devenus des superstars. Ils ont fait le restant de leur carrière à rejouer ce qu'ils avaient joué à Woodstock, que ce soit Alvin Lee, Joe Cocker, c'était joué, quoi. Et donc en France, il n'y avait pas de festival. Les festivals duraient une année. Il y avait fait le festival d'Orange. C'est des festivals qui duraient une année. Puis après, la municipalité disait, bon, Mont-de-Marsan, le festival punk, bon, on ne va pas continuer. Hein. Ça s'arrêtait. Ce qui est fou, c'est le festival Elixir. Eux, ils ont tenu 8 ans en changeant de ville à chaque fois. En changeant aussi de style. Ça, c'est quand même... En changeant de style aussi. Ils ont démarré par du folk, voilà. Avant de suivre mode. Ils ont démarré par le folk parce que c'était moins cher et que les artistes folk, c'est vrai, ils ne demandaient pas les cachets de Kid Creole and the Coconut. Vous pouviez avoir un guitariste folk comme John Martin un prix dérisoire. Lui qui joue dans un club un pub irlandais ou un festival sur un camion, il jouait de toute façon, il aurait joué tous les jours, il jouait pour travailler comme un acteur de théâtre. Si tu joues pas aujourd'hui, t'as pas à manger, etc. Ça, c'est les gens du folk. Et c'était une très, très belle idée de démarrer le festival par le folk, parce que c'est les racines un peu du rock. Hein. Il y a le folk, et il y a le blues, et il y a la country. Voilà, le folk, c'est Bob Dylan. Il est là, c'est les chansons. Toi, Philippe, qui étais déjà à fond dans le rock, de par tes boulots, la radio, tout ça, quand t'as vu ces uluberlus bretons arriver, toquer à ta porte pour dire « Eh ben tiens, nous on organise des festivals, on va faire venir machin », comment tu les as pris? Ben, je me suis dit, voilà des gars qui en veulent. Voilà, c'était ça qui... Nous, on les voyait tous à Rock et Folk. Hein. Ils débarquaient, ils venaient de nous expliquer, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça.
Et puis ça s'arrêtait au bout d'une édition. Nous, on était toujours partants pour les aider, bien sûr, parce que c'était la vie du rock, donc c'était la vie de la communauté. Et avec Rock et Folk, on était déjà très spécial, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, mais tous les mois, on avait 300 ou 400 lettres qui arrivaient de lecteurs qui avaient ressenti la même chose que nous, dans un concert, ou en écoutant un disque, ou en allant justement à un festival. Donc moi, je sentais qu'il y avait une nation rock. Et quand j'ai vu arriver Gérard, et qu'il m'a expliqué qu'il allait emmener son festival de Bretagne à Athènes, en emmenant les gens en autobus, je me suis dit, quel dingue. Ok, émission, venez nous expliquer ça. Et donc voilà, il nous a expliqué tout le projet d'Athènes. Et j'étais fasciné. C'est à cette époque-là que vous avez connu Gérard Pont, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Gérard Pont. Je vois pour la première fois à France Inter, dans mon bureau. Et il m'explique ce qu'il veut faire et j'étais fasciné. Je me suis dit, c'est grâce à des gars comme ça que la musique va s'installer en France. Je le sentais. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'aujourd'hui, il dirige les Franco. Il a une grosse boîte de production rock, Morgane. Et franchement, c'est si vous avez, chaque fois qu'on a un projet de dingue, on se dit, oh là là, les chaînes, elles vont nous jeter ça. Sauf s'il y a Gérard. Si Gérard est là, il va faire passer le truc. Et je lui fais confiance parce qu'il a fait venir les Clash à Saint-Pabu. Et nom de Zeus, quoi, c'est pas facile. Ce gars-là, et puis il les a payés. Vous voyez, parce qu'il y avait ça aussi. Vous aviez au départ, quand c'était les années rock'n'roll, Johnny, Vince Taylor et tout, vous aviez beaucoup d'aventuriers où le groupe n'arrivait pas à se faire payer, où les spectateurs étaient maltraités, enfin, il n'y avait pas de sono, ils avaient oublié la sono. Quand tu organises un concert, c'est peut-être un peu le minimum. Enfin bref. Et Gérard Pont, lui, payait les gens. Il était dans on sentait un gars sérieux. Il n'était pas venu pour s'enrichir personnellement sur le dos des. Ils étaient tous bénévoles, même. Mais il était venu pour être le bonhomme, quoi, pour organiser les trucs pour tout le monde. Et c'était un esprit que je pouvais comprendre, qui m'animait moi aussi. On faisait pareil. Alors nous, on est très chauvin en Bretagne, on a souvent tendance à dire, finalement, Elixir, c'est un peu le pionnier, tu vois, pour tous les festivals bretons qui sont arrivés derrière. Est-ce que ça, c'est une vraie affirmation ? Est-ce qu'on peut vraiment le dire, d'après toi ? Je crois qu'il y en a un. Alors, Gérard Pont, il s'est fait corriger là-dessus. Voilà, justement, Gérard Pont, qui vient s'installer. Est-ce qu'on peut dire que Elixir a été le premier festival et que tous les autres festivals bretons ont découlé de celui-là ? Pionnier, alors, pas forcément. Ce n'était pas le premier festival. Moi, je dis toujours, c'était le premier grand festival. C'est-à-dire qu'il y avait eu Carthage, il y avait eu Plonéreux-Lanverne, puis il y avait la fête de Cornouailles, il y avait le festival interceltique, donc il y avait d'autres festivals. Mais c'était le premier grand festival de rock qui réunissait 30 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu, en France, il y a eu Mont-de-Marsan, où il y avait 3 000 personnes, mais ça a duré 2 ans. Il y a eu Valbonne, il y a eu. Mais ça n'a duré qu'une année. Nous, on a duré. Et le public payait. Donc c'était une... Parce que quand je suis arrivé à Plonéreux-Lanverne, qui était mon premier festival, où il y avait tout le rock français, avec Triangle, Matin Circus, Total Issue, Atoll, Moving Gelatin Plates. Bref, il y avait 1500 personnes, 2000. C'était tout. Nous, on était un gros festival et c'était le premier. Voilà. Ensemble, on était le premier. Et après, effectivement, je pense que ils auraient existé sans nous, mais on a été l'initiateur, effectivement, les gens de Tamaris étaient des stagiaires d'Elixir. Ensuite, ils ont fait les Vieilles Charrues. Quignon était Tamaris, Elixir, Tamaris, Vieilles Charrues. Oui, je pense que le bout du monde, je pense que, oui, je pense que tous ces festivals-là ont quelque chose d'Elixir. Il y avait un côté géo-trouve-tout aussi, on expérimentait vachement à l'époque d'Elixir, des choses qui sont restées derrière sur d'autres festivals. Il a fallu créer les choses. En tout cas, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de toilette mobile, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de système d'alimentation des bars, il n'y avait pas de bar mobile. Il y en a un pour l'Expo, vous avez refait le bar de la première édition. Absolument. Hein. Ouais. Hervillac. Voilà. Hervillac en 79. Il y avait un terrain de jeu, mais on était aussi. On était 15, 20. Enfin, là, il y a le directeur technique qui est là. Il faut vraiment l'interviewer parce que c'est lui qui a inventé les bracelets pour le contrôle d'entrée. C'est lui. Voilà. Ils ont tout inventé.
Est-ce que, à travers cette expo, là, tu découvres des choses que tu n'avais pas vues depuis, depuis l'époque du festival ? Oui, j'ai pas encore bien regardé, mais oui, c'est formidable. Tous les gens, je suis ravi de voir tous ces contributeurs. Enfin, les gens m'ont appelé en me disant « Tom, j'ai ça, là il y a quelqu'un qui est parti chercher une pancarte, c'est chouette, c'est collectif. » Et donc ça veut dire que tout le monde s'approprie cette histoire, c'est super. Et c'est ce qui manquait, hein. Il y avait la version, le documentaire qui a cartonné, qui a été diffusé vraiment partout. Il y a le bouquin, gros succès, on l'a dit aussi, avec cette nouvelle ressortie, et puis l'expo qui manquait. Moi je voulais revenir sur le papier, parce qu'on a aussi Philippe Manœuvre qui est avec nous. Il y a pas mal de bouquins quand même, t'as sorti des biographies, enfin, il y a toute l'histoire de ta vie sur différents angles. La force du papier, l'importance du papier quand on veut relater un peu l'histoire du rock, parce que moi, en quoi c'est important ? Ben c'est important parce que le rock, c'est les rock critiques qui ont inventé la légende du rock. En fait, c'était quoi ? C'était des mecs qui avaient les cheveux un peu longs, qui montaient sur scène. Et il y a eu les rock critiques, des Nick Kent en Angleterre, Philippe Garnier du Havre, des Jérôme Soligny, des gens qui ont raconté la légende, quoi, qui ont raconté, qui étaient là et qui ont trouvé les mots. Et on était pareil, on était représentants du peuple rock, on allait interviewer les artistes parce qu'on représentait un journal qui lui-même avait beaucoup de lecteurs, qui se posaient des questions. Et les artistes rock ont toujours été très, très, très demandeurs d'articles dans Rock et Folk. Moi, quand je suis devenu rédacteur en chef, ça m'a surpris. Je me disais, bon, on est foutu, on est en 1995. Et j'ai découvert que non, pour les gens, les artistes étaient toujours très importants, les journaux. Parce qu'ils savent que c'est là qu'on commence le feu, quoi. Après, il y a eu plein d'autres moyens de populariser le rock. Il y a eu les clips, il y a eu mais ça démarre toujours petit avec un journaliste qui dit « Eh les mecs, en première partie des machins, moi j'ai vu un groupe, j'ai bien l'impression que c'est l'avenir. » Et ça commence comme ça, ça fait une boule de neige ou pas. Ce qui est important, c'est que vous continuez de perpétuer cela. Faites une émission de radio d'ailleurs sur RFM tous les jeudis soirs de 22h à minuit. Vous mettez votre playlist vous recevez vos invités. Voilà, bon, on a beaucoup de rééditions. Aujourd'hui, le rock, c'est moitié, disons, trois quarts réédition, un quart nouveauté. C'est un peu ce qu'on peut déplorer, mais il y a quand même des choses encore formidables qui sortent, quoi. Et puis il y a aussi votre livre avec qui est une sorte de bible du rock. Le pape de la pop. On va vous libérer parce qu'il y a l'inauguration, il y a beaucoup de monde. Ouais, on va rappeler que l'expo est en place, moi, pendant 5 semaines jusqu'à début décembre pour venir la voir. Elle est super bien faite, elle est constructive, elle est évolutive. Plus on s'enfonce. C'est tous. Il y aura des places à gagner pour les vieilles charrues, il y aura des places à gagner pour les francopholies et il y aura des CD à gagner. Donc soyez attentifs à vos journaux et à vos centres d'information habituels et aux réseaux sociaux. Alors pour voir cette exposition, c'est au Centre culturel Leclerc, porte de Gouesnou, jusqu'au 2 décembre. Voilà, c'est important. Et à mon avis, elle sera prolongée. Merci beaucoup.